Alors Eric, en te regardant le passé, on a l'impression que tu as définitivement compris le mode d'emploi de cette voiture et que maintenant tu es passé à l'attaque. Ouais, c'est vrai qu'on a compris, en partie, je dirais. On n'est peut-être pas. Je suis loin d'être à 100% parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire une spéciale sans faire d'erreur, de vitesse, de régime moteur. Bon, je pense qu'il y a moyen d'aller. Bon, la marge est pas grosse, hein. Il est évident qu'on va progresser parce que bon, si aujourd'hui je suis capable d'amener une Subaru Groupe à 100% au premier rallye, je vais avoir les chevilles qui vont gonfler. ça va. C'est vrai qu'il y a quand même des similitudes avec l'M3. L'M3, on l'a mené à bloc. Bon, c'est vrai que la Subaru, on n'est pas trop dépaysé, quoi. Bon, il y a certaines choses qu'il faudra se familiariser. Il y a un petit peu à gagner et ça sera intéressant de poursuivre avec. Alors Eric, à mi-parcours cette première journée, tu es second, 10 secondes derrière Philippe Bugelski, c'est exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel, c'est vrai, mais bon, on a eu la chance de partir très lentement, on a fait attention à tout, on est sorti de la route en essai, donc il n'était pas question de prendre le moindre risque. Ça nous a permis d'éviter les fautes, on a roulé sur un rythme très calme, j'ai haussé un petit peu le rythme sur les dernières spéciales quand j'ai senti que ça allait mieux. Et bon, c'est vrai qu'on se retrouve à 10 secondes de Bug. Bon, Bug, lui, il n'a peut-être pas la voiture idéale, contrairement à moi. Et ensuite, bon, je crois que derrière, les autres ont fait des fautes ou ont eu des problèmes avec leur véhicule. Bon, moi, j'ai une voiture qui est fiable et qui est adaptée. On va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Bon, le résultat au niveau du rallye lui-même, c'est au second degré. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le promotion. Thank you.
que c'est le couronnement d'une année d'efforts et la récompense. Ouais, d'une année d'efforts, si on peut dire, c'est quand même une passion. Donc, comme effort, je voudrais en faire plus souvent. Bon, c'est vrai que ça reste quand même difficile. Maintenant, on est très heureux, évidemment, de remporter une deuxième année consécutive. Alors, Jean-Paul Rousset, père heureux, surtout en tant que pilote. Très heureux. Là, maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais dès quand il arrive, j'aurais pas pu te parler. Là, ça va, là, c'est très bien. Voilà. Un week-end formidable. Les pilotes, la voiture. La voiture a été fiable, très bien. Très, très bien. Ça laisse augurer un bel avenir. Ben oui, pour l'année prochaine. Faire un gros championnat avec cette voiture. Mais il faudra trouver le budget. Et vous, en tant que pilote, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils dans disons cette... que mon fils, il fait ce que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai jamais pu faire. Déjà, il va plus vite que moi, et puis bon, on n'avait pas les mêmes voitures, c'est pas pareil. Alors ça me fait un très très grand plaisir. Il réalise les rêves que vous n'avez pas pu connaître. Voilà, ouais. D'accord, merci.
Aujourd'hui, ça roule fort encore. Fort, c'est pas le mot. On roule propre, on roule vite. Je m'applique beaucoup, donc ça va bien. Alors Sylvain, un terrain très piégeux, t'es le premier à en faire les frais aujourd'hui. Ouais, ben j'ai fait un tout droit là sur un freinage. On n'avait pas les bonnes plaquettes, là on a mis des plaquettes plus tendres, ça devrait aller mieux. Là on fait tous les scratchs depuis qu'on est sorti, on a tout fait les scratchs. Plus deux qu'on avait fait avant de sortir. Alors... voilà.